Ouais, être président du Volley Lyonnais, ouais, ça m'évoque beaucoup de choses, hein, forcément, parce que moi, il y a quelques années, je m'étais retrouvé avec Catherine Chabot à faire ça en tant que voilà, petit équipier. Et du coup, faire ça aujourd'hui, c'est plutôt vraiment, ouais, ça me flatte. Et puis, il y a quelques jours du départ du Tour du Monde, ça me permet de faire un petit break sur d'autres bateaux. Je suis à moitié fier même, tu vois. C'est compliqué de me libérer, mais du coup, ça m'a permis pendant 2 jours de faire un break aussi. Et puis, c'est sympa de naviguer sur les bateaux des autres, des bateaux tout neufs, des beaux bateaux, des bateaux différents. Plutôt bon enfant, c'est plutôt sympa. Il y a des semi-pros, des pros, des amateurs, des gars du chantier. Donc, c'est plutôt... Non, l'ambiance est super sympa, quoi. Mais comme la plaisance en général, quoi. Donc, c'est dans une super ambiance. On pose des questions par rapport à mon Vendée Globe. Je pose plus des questions par rapport au bateau sur lequel je navigue. Donc, c'est plutôt sympa. Les conditions qu'on a eues hier et qu'on va avoir tout à l'heure, je pense que c'est les conditions de mer du Sud. Il fait pas beau, il fait gris, il fait à moitié frais. Donc, du vent. Hier, on a eu jusqu'à 40 nœuds, au moment, en rafale. Donc c'est bien aussi de naviguer, parce que ça prouve que les bateaux de série aussi, les bateaux de croisière, bah, ça tient dans la mer, quoi. Donc ouais, c'est des conditions hivernales. Pas déplaisantes malgré tout, mais humides. Bon, 2020, c'est une année particulière, on le sait. Pour le voilier de l'année aussi, très particulier. Qu'est-ce qui est particulier c'est déjà qu'on a perdu Ruby. Donc c'est un premier voilier de l'année sans lui. Ça forcément, c'est spécial. Ruby, Bernard Rubinstein, qui nous a quittés en juin dernier. Et bon, bah, là-dessus s'ajoutent des histoires de Covid. Mais qu'importe, on a quand même maintenu le voilier de l'année. Et malgré la crise sanitaire, malgré le Covid, malgré le mauvais temps épouvantable, malgré l'absence du grand pavois, le voilier de l'année a eu lieu et il est magnifique. We'll be right back.